Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre à consulter une ressource électronique. Précédemment, dans les tutos de la BNU, nous avons vu comment reconnaître une ressource électronique dans les résultats de recherche et comment restreindre les résultats aux seules ressources électroniques de la BNU via les facettes. La BNU est abonnée à de nombreuses ressources en ligne, accessibles gratuitement pour les usagers de la bibliothèque. Ces ressources sont composées de bases de données, de livres, d'encyclopédies, de revues ou encore d'articles de presse. L'ensemble de ces ressources sont référencées dans le catalogue général. Pour accéder à ces ressources, il faut d'abord se connecter à notre catalogue. Il existe ensuite plusieurs façons de consulter notre documentation électronique. Vous pouvez simplement utiliser le moteur de recherche du catalogue pour trouver les ressources qui vous intéressent par mots-clés, en utilisant de préférence l'onglet « Documentation en ligne » et éventuellement les facettes. Une fois la ressource trouvée, il faut se rendre sur sa page et cliquer sur le bouton « Accéder à la ressource BNU ». Pour certains documents, le lien d'accès se trouve dans l'onglet « Liens ». Si vous êtes bien connecté, la ressource s'affiche alors dans un nouvel onglet. Selon la plateforme sur laquelle vous arrivez, vous pouvez soit consulter la ressource directement en ligne, soit télécharger le document, soit effectuer un prêt électronique qui vous permettra de télécharger le document pour une durée définie. Vous pouvez également passer par la page « Ressources en ligne » où vous pourrez trouver la ressource qui vous intéresse, par ordre alphabétique ou par discipline, ainsi que des informations complémentaires sur l'accès aux ressources électroniques. On peut voir, sous chaque ressource, un lien d'accès à la ressource ou à la collection. Enfin, la BNU numérise elle-même ses collections patrimoniales. Les documents ainsi digitalisés sont accessibles librement sur la plateforme Numistral depuis l'onglet « Liens » sur la notice du document. Deux ressources ne sont consultables que sur place à la BNU depuis des postes dédiés. Il s'agit du dépôt légal de l'Internet français, géré par la BNF, et des archives multimédia de l'INA et du CNC. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui vous est proposée par la Bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg.